Coucou les gueux, désolé ma maman passe l'aspirateur, mais comme j'ai reçu un colis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ouvert un colis. Est-ce que vous êtes prêts? Ça fait longtemps, alors c'était pas du tout prévu. Hein. J'avais pas ni l'envie, ni le besoin d'acheter quoi que ce soit, encore moins des plantes, parce que je suis quand même vachement comblée par ma collection actuelle. Bon, il a un peu souffert le colis, je sais pas si vous voyez. Attention, plantes vivantes, heureusement qu'ils prévoient, qu'ils disent. Parce que s'ils ne l'avaient pas dit, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Voilà, il est un peu défoncé. Ma femme, on va l'ouvrir du mieux qu'on peut. Waouh, je suis contente. Oh putain, pardon. J'ai commandé 2 plantes et j'en vois 3. Alors j'ai commandé sur le site de Plant & Story, le site de Laura, mais vous connaissez depuis le temps. Donc encore une fois, j'ai le droit, désolé, hein, mon vernis est dégueulasse, j'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui. J'en fais plus depuis quelques jours, donc on a toujours les fameux stickers comme ça, magnifiques. Et en plus, on en a 2 nouveaux, celui-là je crois que je ne l'ai pas, et il y en a 2. Du coup, je suis très contente. Voilà. Je vais l'ouvrir rapidement avec vous et puis on verra ça plus en détail après. Donc ça se présente toujours super bien emballé comme ceci. Oh, elle est belle. Oh, je la voyais pas aussi belle. Je l'ai jamais vue en vrai, donc je m'imaginais pas. Attends. Ah oui, j'ai bugué. Je crois que j'ai eu un cadeau. Ou alors il y a eu une erreur, mais c'est pas possible, il n'y a pas eu d'erreur, je crois que j'ai eu un cadeau. Alors attendez, on va commencer dans l'ordre. Alors j'ai commandé une Hoya que je connaissais pas du tout et que j'avais jamais vue. Je sais plus le nom. Alors vous savez, une Croniana. Alors la Croniana, j'ai la Silver. Et dans ma Silver, il y a un pied classique. Et du coup, ouais, ça ressemble vachement à celle que j'ai déjà. Mais il paraît que non. Donc apparemment, ce serait une Croniana léopard. Alors, je vois pas du tout la différence avec les miennes. Mais je regarderai plus en détail. Je comparerai avec celle que j'ai déjà. Je me suis dit, c'est bizarre. Est-ce que c'est pas juste le nom qui change? J'étais pas sûre, j'ai regardé, puis ça me disait rien. Du coup, j'ai commandé la Croniana léopard que vous voyez là. Mais quand je la vois, elle me fait vraiment penser à la Silver. Faut vraiment que je les mette côte à côte de toute façon pour me faire la vraie idée. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Si je les mets pas côte à côte, je vais pas pouvoir les différencier. Ensuite, celle-ci, je la voulais depuis un moment. Puis comme j'avais un peu arrêté la frénésie des commandes parce que je voulais me concentrer sur ma collection actuelle, j'avais laissé tomber l'idée. Et en fait, je suis bien contente d'avoir craqué parce que celle-ci, en classique, c'est quand même une Hoya vachement facile. Donc je me suis dit, tu prends pas un gros gros risque. Et du coup, j'ai commandé une Hoya Bella variegata. Voilà la bouteille. C'est en sphène et en substrat dans le fond, comme j'aime bien que ce soit. Elle a quand même pas mal de feuilles. Elle est vraiment très jolie. Ah ouais, elle est vraiment magnifique. Je suis très, 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 très contente de cette plante. Voilà, c'est les 2 Hoya que j'ai commandées. Je me suis fait toi plus, tu t'en prends 2 petites. Il y en avait 2 qui me plaisaient sur le site quand je suis allée me balader dessus. Et du coup, j'en vois une 3e. Je crois que je l'ai déjà. Mais de toute façon, elle est incroyable et je l'adore. Attends. Oui, je l'ai déjà. Je l'ai déjà acheté sur leur site. Il s'agit de la Hoya Crassipetiola Splash ou Crassipetiolata. Là, il y a écrit Crassipetiolata Splash et avec un petit cadeau dessiné. Donc celle-ci, c'est un cadeau. Je l'avais déjà commandé sur leur site. Je vais vous montrer la mienne à côté de celle-ci. C'est la même. Et la première que j'avais reçue, il y avait 2 pieds. Et je pense que là aussi, c'est encore le cas, il y a 2 pieds. Je suis vraiment ravie. J'adore commander chez eux. Et du coup, je vous retrouve ensuite à la maison pour qu'on voit ça
plus en détail. Je suis très contente, très 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 beau. Mais la Hoyabella variegata, je pensais pas qu'elle me plairait autant. Vraiment, elle est incroyable. Et alors celle-ci, ce serait une léopard. Je vais me renseigner un peu et ensuite je reviens avec vous en vidéo pour vous montrer tout ça et pour vous dire ce que j'ai trouvé à son sujet. Je suis contente. Doubidoubi, vous tenez pas, je peux pas filmer dans mon salon, la lumière est mauvaise, puis vous aurez pas ma belle cheminée en arrière-plan, et puis du coup, chier. Ouais, dans la pièce à pente. Oh, ça pue, les gars, j'ai fait un réel ce matin sur Instagram. Et du coup, je me retrouve avec une mixture, mais une odeur s'en dégage. Vous pouvez pas imaginer. Bref, c'est ça quand on fait la Golio. J'ai passé une commande sur le site Plantes. Ça faisait longtemps. Attendez, ben je prends les plantes déjà. Mais je suis vraiment perplexe sur l'une des deux. Alors, vous allez me donner votre avis. J'ai pas fait les recherches que je vous ai dit que j'allais faire au moment où j'ai déballé le colis. Parce que j'ai déballé le colis, mais je ne vous fais pas la vidéo maintenant. D'abord, je papote un peu avec vous. Je vais chercher mon iPad et je reviens. Je sais pas si j'ai de la batterie. Je vais voir. Moi qui n'étais pas pour mettre les décos de Noël trop tôt, je vous avoue que j'avais vraiment besoin d'avoir un peu de chaleur dans mon cœur. Et ça, plus Abel qui a non sans peine essayé de prendre sur lui pour ne pas me les réclamer H24, ça a été dur, mais pas réclamer H24, du coup t'as compris, j'ai commencé à mettre les décos de Noël, c'est très joli, mais je vous en parlerai qu'en décembre. Parce qu'il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Donc, j'ai un gros doute sur la commande que j'ai passée. En fait, si vous voulez, j'adore aller sur le site Plant & Story. Vous me connaissez, c'est mon site chouchou. Un peu comme ce mug incroyable de Noël, tout en céramique, fait à la main, que j'ai commandé l'année dernière, qui est arrivé avec un pétouille ici. Et il y a sa copine qui va avec, qui a carrément la anse en miettes. Je m'en remettrai jamais. Évidemment, mon café est dégueulasse. Mais il est bien chaud, ça compense. Alors, avant de commencer, j'ai reçu un colis de l'une d'entre vous. Christine, si tu passes par là. Je suis trop contente et je suis vraiment très très heureuse et fière de pouvoir montrer ce cadeau que tu m'as fait sur YouTube. Je suis pas peu fière, je vais le dire 20 fois, mais je suis comme une enfant. Attention, pour ceux qui n'ont pas Instagram et qui ne l'ont pas vu, vous n'êtes pas prêts, mais pas moi. Regardez-moi cette beauté. Comme par hasard, j'ai pas mon chignon décoiffé aujourd'hui, attendez. En fait, mes cheveux deviennent tellement longs que je galère un peu à me faire mon chignon. Alors que je galère jamais, je me fais tout le temps des chignons. Je déteste détacher mes cheveux, je peux pas. Mais c'est vrai que la couette, ça me fait mal au crâne. Ça tire. C'est moi. J'adore parce que des fois, vous les filles, vous mettez sur Instagram, aujourd'hui j'ai eu la flemme de me coiffer, c'est mon chignon pour faire le ménage, machin, machin. Moi, c'est ma tête. 24 heures sur 24, si tu veux. Voilà. C'est moi. Bon, c'est bon. Oh, ça se voit grave que c'est moi, de toute façon. Je vais pas mettre un débardeur non plus. Ça va, hein. C'est trop incroyable. C'est une aquarelle. Elle est magnifique. C'est vraiment mes plantes, quoi. Pour la majorité, mes décos. Regardez le détail, là. Le petit popo. T'es où, papa? Attendez, je vais vous montrer. On peut pas ne pas prendre le temps de vous montrer parce que c'est trop dingue. Viens là, Dobidou. Il
Bah attends, il montre l'aquarelle aussi, bouffonne. Regardez. C'est la pâte et pas. Je dois faire une miniature de vidéo un peu comme ça. Mais il y a le reflet, attendez. Voilà, t'as compris. Ma petite couronne de fleurs séchées et tout, mon Florida. Oh, je suis contente, il est magnifique. J'aime trop. Attendez, est-ce que j'ai envie qu'on le voit? Je suis une gamine, je sais. Je suis une gamine, mais je suis tellement pas peu fière. Je suis tellement fière que je suis obligée. À un moment donné, quand on a 4 ans et pas toutes ces dames. Oh, beau gosse. Vous le voyez? Oh, mais pas trop. Il y a ma grosse tête qui le planque. Voilà. Je suis trop fière. Je trouverai un endroit où mieux le mettre, qu'on le voit bien en vidéo, mais je suis pas peu fière. Magnifique, merci beaucoup Christine, t'es la best. Mais c'est pas possible. Franchement, est-ce que c'est possible de faire un cadeau pareil? Je sais pas. Enfin, déjà, faut avoir du talent, ce qui n'est pas mon cas. Je m'étais amusée à dessiner, il me semble, un truc dans ce genre il y a quelques années. Je sais plus qui est-ce que j'avais dessiné et à qui je l'avais envoyé, mais je sais que j'ai envoyé un dessin à quelqu'un comme ça un jour. Fait vite fait sur iPad. Hein. C'était pas fifou sûrement. Je me souviens plus, mais je sais que je l'ai fait. J'aimerais bien retrouver. Pour que vous foutiez un peu de ma gueule. Ma Maranta a l'air d'avoir un peu soif de la feuille, vous avez vu. Dans ce cas-là, on va l'arroser avant de commencer à jacter parce qu'on va oublier. Faut pas que je fasse tomber le récipient plein de mélange dégueulasse. Je vous ai mis la story que j'ai faite. La raison pour laquelle il y a ce récipient dégueulasse dans ma pièce à plantes. Je vous la mets maintenant si je ne l'ai pas déjà mis. Je crois que je l'ai déjà dit. Donc du coup, logiquement, je suis censée vous l'avoir déjà mise. Alors, il va falloir que je réorganise un peu mes Oya. Parce que comme j'en ai d'autres qui sont arrivées. Et que mes deux étagères où il y a des lumières artificielles sont pleines. Mais pas celles tout en haut. Je pourrais mettre celles qui deviennent trop claires tout en haut. À voir. Donc, j'ai commandé deux Oya sur le site Plant & Story. De toute façon, c'est simple. Le site Plant & Story, dès qu'il y a des nouvelles Oya que j'ai pas, c'est mon plaisir du mois, je me fais une commande. Et là, en l'occurrence, il y avait deux Oya que je voulais énormément. Enfin non, une que je voulais déjà depuis un bon moment. Et l'autre, je l'ai pris sans vraiment la connaître. Puis en fait, je me demande si c'est pas une que j'ai déjà, mais juste sous un nom différent, vous allez me dire, on va faire les recherches. Donc déjà, il faut que je me connecte sur le site. Je vais taper Oya. C'est celui-là, le site Plant & Story, pour ceux qui se demandent et qui ne connaissent pas. Je vais taper Oya. Je vais essayer de les retrouver. Voilà, j'ai acheté une bouture de Oya Lacunosa Léopard Skin. À 29,95€. C'est celle-ci. Et j'avais peur parce que dans ma tête, je me disais, ça ressemble vachement à la Cronienda Splash. Du coup, j'ai flippé. Puis, je l'ai quand même commandé et je l'ai reçu. Donc, c'est la première que je vais vous montrer parce que ben, j'ai envie d'en parler. Il y a pas mal de choses à dire sur cette jolie petite Oya. Regardez la beauté de la Oya. Mais, si vous y connaissez en Oya... Attendez, je vais me chercher de quoi me faire une cigarette pour fumer une clope avec vous. J'ai trop envie de fumer une clope avec vous. Alors, vous voyez, j'avais pas envie de filmer. J'ai pas le moral depuis quelques jours. Je crois que vous l'avez vu, il n'y a plus de vidéo. Ça va aller, on s'en bat les couilles, hein. On peut pas toujours se lever du pied droit, hein. En ce moment, je me lève du pied gauche. Là, je filme, je suis très contente. Là, je suis en train d'oublier tous mes problèmes, je filme, je suis très contente. Comme quoi, des fois, il suffit de se mettre un coupon dans le fion, et puis ça va mieux, quoi. Mais en même temps, quand je vois ça, comment vous voulez que ça n'aille pas mieux quand je vois cette beauté, sérieux. Alors, attendez, je vais me faire une clope, j'ai envie de filmer. Hop, on va allumer une petite bougie de Noël. C'est pas Noël, je sais, je suis dans la bulle, j'ai envie d'une bougie et j'ai rangé mes décos d'Halloween. Et en fait, j'avais deux citrouilles, trois bougies d'Halloween, j'en ai fini deux et la troisième, ben, j'ai pas voulu la brûler, j'ai voulu me la garder pour l'année prochaine. Voilà, si j'oublie, à tout moment, je mets la tête en arrière, mon chignon prend feu et là, Christine va modifier l'aquarelle, il faudra me faire chauve. Tu es prévenue, je rigole. Ne prends pas feu, Ava, même si ça ferait plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé? Même si ça pourrait faire plaisir à certains. Et les gars, vous m'avez fait une peur. La dernière fois que j'ai fait un live sur Instagram, qui était pas mal, soit dit en passant, je ne l'ai pas gardé.
Mais il y a une personne qui s'amusait dans les commentaires à me dire qu'une personne avec qui j'avais eu, parce que pour l'instant ça s'est calmé, j'ai plus de messages désobligeants, j'ai plus rien, j'ai plus de ménage, j'ai l'impression que c'est fini, à voir. Et il y en a un ou une d'entre vous, mais je pense que c'était un faux compte parce qu'à la fin du live j'ai voulu aller écrire et le compte avait disparu. Qui, en me parlant de cette personne, m'a dit, il est peut-être mort. Si tu es ici et que tu vois ma vidéo, je ne sais pas qui tu es, mais merci. Ou plutôt, je ne te remercie pas parce que j'ai passé une très mauvaise nuit. Sur le moment, j'ai trouvé ta blague très drôle. Et après, en y réfléchissant, je me suis dit, bordel de couilles de pompe à queue. J'ai plus de messages, j'ai plus de commentaires sous mes vidéos, j'ai plus de problèmes. Ma vie est belle. C'est pas normal. Ça se trouve, le mec, il est cané. Et comme je suis dans une phase un peu où ça va pas très bien, où le moindre truc me chafouine, vraiment, j'ai psychoté toute une nuit et je suis allée, merci, grâce à toi, écrire à cette personne qui était si gentiment et durement depuis des semaines bloquée pour lui demander juste si ça allait. Alors que clairement, j'en ai rien à foutre de savoir si les gens qui m'emmerdent ou qui me pourrissent la vie vont bien. Là, en l'occurrence, pour mon bien-être psychologique et faire stopper ma paranoïa, je me suis retrouvée à aller écrire à ce mec-là en lui demandant « Ça va ?» Point d'interrogation. Parce qu'à un moment donné, dans ma tête, je me suis vraiment dit « Putain, ça se trouve, il est mort. Vraiment. » Bien évidemment, il n'était pas mort. Il m'a répondu de manière super agréable, comme à son habitude, on connaît. Si à partir de ça, je me retrouve à avoir à nouveau des messages sous mes vidéos YouTube, blablabla, je ne peux plus me plaindre. Je ne peux plus me plaindre. Il me lâche la grappe, le cumet, et j'arrive et je lui écris « Ça va ?» Je ne souhaite pas vous parler, je ne veux pas vous dire exactement ce qu'il a dit, mais il a dit des phrases à la con auxquelles j'ai répondu « Non mais je m'en bats les couilles, me raconte pas ta vie, je veux juste savoir si ça va en fait. » En fait, je voulais juste qu'il me réponde « Caca, prout, oui, bonjour, machin, m'en bats, n'importe quoi, un mot, juste savoir qu'il était. » Quand j'ai su qu'il n'était pas mort, je me suis dit « Quelle conne, pourquoi je lui ai écrit ?» Et j'ai presque regretté qu'il soit pas mort. T'as compris, c'est ironique. Donc, pour ceux qui savent, qui se demandaient, ne vous inquiétez pas, il n'est pas mort. Par contre, moi, je me sens un petit peu plus conne. J'ai un peu moi-même baissé dans ma propre estime. Mais j'avais besoin de ça. J'étais en phase paranoïaque et je me disais, ça se trouve, le cumi, il est mort. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça aurait pu te foutre au final? Mais imaginez, vous vous êtes fâché avec quelqu'un que vous connaissez en vrai ou non, que vous appréciez ou pas. Il y a des grosses histoires et demain, on vous dit, cette personne-là, elle est morte. Mais bref, on s'en bat les couilles. Pourquoi tu parles de ça pendant 15 minutes? On s'en bat les couilles. Franchement, chacun sa vie, chacun sa merde. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait peur, ça m'a touchée. Voilà. Donc, voilà. On continue? On en était où? Parce que là, je viens de perdre 10 minutes à parler d'un sujet inintéressant. Et ça se trouve, j'ai relancé un truc qui avait plus lieu d'être et je vais m'en mordre les doigts d'avoir écrit. Enfin bref. Je m'en bats les couilles de lui, moi. Mais je préfère qu'il soit vivant plutôt que mort. Quitte à m'en battre les couilles. Putain, vous avez déjà souhaité la mort de quelqu'un, vous? Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Genre, même mes parents, quand j'étais ado et qu'on était. Je voudrais que vous soyez tous morts! On est tous un peu pareil, tu vois. J'ai déjà dit, putain, mais lui, il va pas bientôt crever, me lâcher la grappe. Ça aussi, je l'ai dit, mais combien de fois? Mais le jour où ça arrive, imaginez. Du coup. J'ai reçu Maoya lacunosa, c'est ça, léopard, je ne me souviens plus. Et en la recevant et en l'ouvrant, je me suis dit, je me suis niquée. En fait, ça se trouve, c'est juste la Crognana Silver ou Silver Splash. Parce que je trouve qu'elle se ressemble grave. Alors, je vais vous les mettre côte à côte. Je vais vous mettre ça côte à côte. Et en fait, apparemment, non, je viens de regarder sur Internet. Elle existe bien, la lacunosa. Alors, ça, c'est ma Crognana Silver. Et ça, c'est la Cunosa, apparemment, léopard. Donc, vous vous doutez que je me demande si j'ai bien fait de l'acheter. On dirait vraiment les mêmes. Il faut que je les arrose, celles-ci. Je sais pas. Je sais pas. Donnez-moi votre avis.
Je pense qu'il faut qu'on regarde les fleurs pour savoir. Les fleurs doivent être différentes puisque c'est des hoyas différentes. On va regarder si c'est les mêmes fleurs. Je pleure. Donc là, je vous mets les fleurs de la Crohniana. Là, je vous mets les fleurs de la Lacunosa léopard. Je ne sais pas présentement si c'est les mêmes. J'ai la flemme de regarder. J'ai trop envie d'être avec vous plutôt que sur mon iPad. Si c'est les mêmes, je chiale. À vous, dites-moi dans les commentaires. Donc voilà la première nouvelle de ma petite commande. Je vous l'ai montré 150 fois. C'est bon, on a compris. À un moment donné, on s'en bat les boulasses. Et j'en ai commandé une deuxième en version variegata. Je vais vous montrer la version classique que j'avais achetée en géante en extra promotion à Artigues à 6 euros. Il s'agissait d'une grosse et belle Hoya Bella classique comme celle-ci. Sauf qu'il se trouve qu'elle était bourrée de cochenille, j'ai jamais réussi à m'en sortir, donc j'ai coupé pour faire des boutures. J'ai d'autres boutures dans ma salle de bain. Ça, c'est des boutures qui sont traitées et qui ont déjà bien commencé à raciner. Et je l'ai achetée en version variegata. Je vais vous la présenter. Elle est encore plus belle que ce que j'imaginais. Attendez, j'ouvre juste la fenêtre parce qu'on va mourir. La bougie. N'oublions pas qu'il y a une bougie, hein. Regardez la beauté. S'il vous plaît. Elle est incroyable. Alors vous voyez, elle a des feuilles vertes avec des bords blancs. Les deux feuilles qu'on suivit, vous voyez, on voit une tache sombre. Mais j'ai l'impression que cette feuille, elle va être toute blanche et que celle-ci, elle va juste avoir une tache sombre. Et les deux dernières, elles sont comme les premières, quoi, foncées avec les bords blancs. Ça va foncer en grandissant, donc on verra ce que ça donne. Ça arrivait dans le petit pot transparent avec moitié substrat, moitié sphaigne. J'adore ce système-là, je trouve ça super. Ça convient très bien à mes hoyas. Ça permet que les racines aillent directement dans le substrat et s'y habituent rapidement. Et à la fin, dans quelques mois, quand ça aura bien raciné, j'enlèverai la sphaigne ici et je comblerai avec uniquement du substrat. Donc ça, c'est la Hoya Bella Variegata. Et du coup, c'est exactement la même que la classique, mais avec de petites taches. Vous êtes content de le savoir, c'était logique, vous le saviez déjà. Dites-moi si vous avez la Hoya Bella Variegata. Elle est petite, mais je l'imaginais même encore plus petite. Ça m'a pas choqué la taille, j'aime bien. Je suis très contente, elle est très très belle. Et j'ai eu un petit cadeau dans ma commande. Sur ce site-là, on a tout le temps des cadeaux, les gars. D'ailleurs, dans une de mes dernières commandes, je vais vous montrer le cadeau que j'avais eu. Vous vous rappelez de la Hoya Rosita? Que j'avais eu en cadeau. Donc c'est celle-ci. Elle arrive, elle a des feuilles comme ça, vertes foncées, avec des bords bien noirs. Et comme je la mets sous lampe artificielle, regardez toutes les dernières feuilles, elles sont pourpres, bordeaux. Elles sont vraiment trop belles. Donc ça, c'était une petite bouture que j'avais eu en cadeau, Hoya Rosita. J'avais eu dans une précédente commande une bouture de Mauna Loa, de Compacta Mauna Loa, attendez. J'aime pas tout vous montrer avec la clope à la main. Donc je vais finir ma clope et boire mon café dégueulasse. Heureusement qu'il est dans un beau mug, ça compense. Excusez-moi, mon vernis est tout écaillé, mais j'ai la flemme en ce moment. J'ai pas le moral. Et même, bon, en même temps, quand j'ai le moral, je laisse mon vernis tout écaillé. Sauf que depuis, j'ai franchi un cap. J'ai acheté du dissolvant. C'est bon, plus de tabac les gars. Il est vraiment pas bon ce café au lait. J'ai peut-être pas mis assez de sucre, mais en même temps, à un moment donné. Et j'ai reçu en cadeau, du coup, une jolie. Ah, attendez, je vous montre la Manoloa. Parce qu'elle commence à me faire de nouvelles feuilles et c'est bon signe, je suis contente. Ça prouve qu'elle va bien pour le moment. Après, j'ai quelques avancements sur d'autres hoyas, mais on fera ça dans une autre vidéo. Parce que je pense que de tourner cette vidéo, ça va me remotiver. Donc, ça, c'était ma Mauna Loa, que j'avais reçue en cadeau d'une précédente commande. Et vous voyez, elle a deux nouvelles feuilles sur le dessus. Toutes petites, trop mignonnes, qui sont en train d'apparaître. Donc, je trouve que c'est bon signe. Je vois des racines. Ça évolue et c'est cool. Ce qui n'est pas le cas des 30 potées de Compacta Variegata que j'avais acheté en Espagne. J'ai la poisse. J'ai pas très bien géré. Donc voilà, vous êtes content. Et du coup, dans ma petite commande de ce matin, j'ai reçu comme cadeau la Crassi Petiolata Splash. Je l'ai déjà, je l'avais commandée sur leur site celle-ci. Mais je suis très contente
d'en avoir reçu une autre en cadeau parce que je vais pouvoir l'offrir à ma copine Bettina qui est fan de Ouya et qui l'était depuis des années bien avant moi et qui m'apprend plein de choses. Et c'est elle qui m'avait emmené avec elle à la jardinerie, la Secret Jardin. Donc grâce à elle, j'avais pu acquérir de nouvelles Ouya trop sympas. Elle m'avait fait plein de cadeaux, enfin bref, adorable. Et du coup, ça, je vais lui offrir. Et alors, quand j'ai reçu la mienne, elle était exactement de cette taille-là. Je me suis aperçue en fait qu'elle avait deux pieds quand on l'a rempotée en substrat il n'y a pas longtemps. Et pour vous montrer, voilà ce qu'elle est devenue. Donc ça, c'est la mienne de deux pieds. En pleine évolution, qui était exactement comme ça quand je l'ai reçue. Donc comme j'ai ces deux pieds-là, moi j'en ai beaucoup des Ouya. Vous savez, je ne peux pas me permettre d'avoir trop de doublons. Et puis du coup, j'ai pensé à elle parce qu'en plus, elle habite à côté de chez moi et parce qu'elle est adorable et parce qu'il y a des gens dans la vie comme ça qui nous font nous sentir bien. On peut pas expliquer spécialement pourquoi. Et du coup, c'est pour elle. Donc voilà pour ma commande de Plant & Story, les gars. Mais franchement, celle-ci, elle, je la trouve incroyable. Si j'arrive à la faire vivre et qu'elle devient bien, bien longue, elle, je la bouturerai. Je voudrais me faire une grosse potée de Ouya Bella variegata. Enfin, je pense que j'ai envie de faire ça avec toutes mes Ouya. Mais celle-ci en particulier, quand même. Elle est vraiment très belle. Il faut que je trouve une place. Je vais réagencer mes Ouya. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur l'étage du haut, j'ai deux petits plateaux avec toutes celles de Plant & Story. Et devant, c'est toutes celles que j'ai commandées à Sarah sur le site de Rhino Plants. Et en dessous, il y a toutes les autres. Bref, j'aimerais tout mettre en bas et garder les deux plateaux que pour celles de Plant & Story. Ça me permettrait aussi de changer les Ouya, par exemple les Ouya qui sont sous la lumière Sensi, qu'elles se retrouvent sous ma barlette de gros jungle. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Gros shop, je ne sais plus quoi. Enfin bref, je voudrais intervertir pour voir s'il y a une différence. Et puis je pense que je vais vous laisser ici, que je vous ai assez raconté ma life comme ça. Je voulais vous montrer, je sais que vous aimez bien les haul plantes. Et c'est vrai que j'ai quelques avancements dans mes Ouya, donc il y a moyen que je vous refasse une vidéo très vite pour vous montrer. Mais là déjà, rapidement, juste pour le fun, je vais vous montrer la nouvelle feuille de ma fine Lessoni qui était toute pourpre et toute tachetée, que je vous avais dit ça fait peur. Vous avez vu en grandissant, le vert apparaît et le côté violet de la feuille disparaît. Du coup, elle va grandir, s'allonger et je pense... clairement qu'à la fin, elle sera entièrement verte comme les autres feuilles. Enfin, j'espère. Voilà, voilà les gars. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était court, mais j'avais pas prévu vraiment de filmer. Mais il fallait absolument que je vous montre cette beauté et ma réception parce que ben, je sais que vous aimez. Et moi, j'aime bien qu'on puisse se rendre compte de la taille des plantes à l'arrivée. Je vous les remontre pour faire une capture d'écran. Et puis, je vous les remonte dans quelques semaines pour que vous puissiez suivre l'évolution, quoi. Je trouve que c'est bien d'avoir possibilité de revenir en arrière pour ensuite voir l'évolution des plantes et pour pouvoir le partager avec vous. Et je vais vous faire des gros bisous et puis je vais vous laisser ici.